Hey, salut, c'est Francky. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir un nouveau truc de Francky qui est en fait une technique pour bien tuer un Enderman. Alors, déjà, pour ceux qui savent pas ou qui n'ont jamais combattu d'Enderman, il faut savoir que l'Enderman c'est un être humanoïde de couleur noire et qui mesure 3 mètres de haut. Oui, 3 mètres. Et qui vous attaque dès que vous le regardez. Alors, je vais vous montrer en fait comment bien le combattre. Alors là, je suis en créatif, mais je vais passer en survival dès que je vais l'attaquer. Alors la technique, c'est déjà dès que vous voyez un Enderman, vous vous préparez à l'attaquer. Donc pour l'attaquer, vous prenez de la bouse et vous faites un pilier de 3 de haut. Voilà, 3 de haut. Ensuite, vous devez avoir sur vous un peu de bouse, une épée et une pelle, c'est facultatif. Mais une épée, c'est quasiment obligé, quoi. Donc maintenant on va spawner quelques Endermen. Alors, faisons les spawner. Voilà. Et passons en ça. Alors maintenant ils sont... Dès que je vais les regarder, ils vont s'énerver. Voilà. Et se téléporter. Et donc voilà en fait ce qui se passe, vu que vous êtes à 3 mètres de haut, les Endermans ne peuvent pas vous attaquer, ne peuvent pas se téléporter sur vous parce que vous êtes sur une tour de noob. Oui, ça s'appelle comme ça. Et vous pouvez les tuer facilement. Pas bien de prendre des blocs. Retourne dans l'Ender, sale bête. Et voilà, nettoyé. Il y en a encore un là, je vais l'énerver. Voilà. Il arrive. Et alors, papa. Oh, purée. Ah, ok, je vois. Oh, les enfoirés. Oh, purée, ils m'ont fait un de ces sales coups. En fait, ils ont piqué tous les blocs de la base. Alors, donc, il faut donc jamais, comme vous avez pu le voir, il faut jamais faire une attaquer plusieurs Endermans de suite. Il faut s'assurer qu'ils n'ont pas détruit la base, la base en bouse entre temps. Alors, je vais vous montrer encore une fois, mais cette fois-ci avec un Enderman, parce que là, en fait. Si je me suis fait avoir, c'est tout simplement parce que j'en ai spawné pas mal et ils ont pu entamer ma tour. Alors que si j'en avais spawné un seul, comme dans ce cas-là, voilà, il aurait jamais pu se enlever la base. Là, il est là. Une autre technique, c'est pour quand il y a plusieurs Endermen qui vous attaquent, c'est de bien se mettre en sneak sur la tour, parce que sinon en fait ils vont parce que sinon en fait ils vont pour vous pousser. Donc c'était tout pour ce truc de Franky qui n'avait aucun rapport avec la Redstone mais qui est quand même un truc de Franky. Donc on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas d'utiliser cette technique dans votre monde si vous voulez tuer facilement du monde. Et pour finir, et ben je vais un peu m'amuser. Donc je vous dis à plus et bye bye.